Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi, ouais. Bah, de toute façon, je sais pas, je pense que vous êtes comme moi. Je n'en peux plus de cette privation de liberté. Parce qu'on en est là quand même. Là, c'est difficile quand même, purée. C'est hyper, je trouve ça hyper angoissant. Ce qui est, le Covid en lui-même ne m'angoisse pas parce que. Attention, je ne dis pas qu'il n'est pas grave, vu que ma maman est morte, mais je dis simplement que, comment je veux dire ça, que quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'arrêter de vivre et charge à chacun de prendre ses responsabilités et de cesser de nous imposer des règles, des lois, qui en plus ne riment à rien. Au contraire, de nous donner, oh la lumineuse, le soleil s'est barré dehors. C'est pas grave. Du coup, c'est tout noir. C'est du noir. On mettra un peu plus de lumière après. Donc, ouais, voilà, c'est ça, la privation de liberté. Moi, perso, j'en peux plus. Plus de resto, les magasins fermés, c'est ville morte partout. Mais c'est quoi ça? Ah ouais, tu vas aux gens, ils demandent. Ils sont surentassés. Donc apparemment, le Covid reste dans la galerie marchande mais n'entre pas dans les magasins, dans le Auchan. C'est rigolo. Par contre, il peut rentrer, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, chez Camaïeu ou chez SFR, mais il rentre pas dans le Auchan. On lui a dit tout sauf Auchan. C'est fou, hein. Puis il est obéissant, le Covid, en plus, apparemment. Bon, cul, oui, pardon. Ouais, non, là, sincèrement, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça m'irrite, ça met les nerfs en pelote, ça me rend presque agressive. Pourtant, moi qui ne suis pas. Oh là, il y a une sacrée onde là. Bon, je reviens. Bon, là, je pense qu'au niveau de la luminosité, on est mieux. Par contre, moi, je suis prise dans les feux de la rampe. Je me prendrais presque pour Marilyn Monroe. Oui, non. Alors, j'ai mis des nouveaux atours. Hier, je suis allée chez mon amie esthéticienne pour refaire mes ongles en semi-permanent, même s'ils sont courts. J'avais envie de couleur un petit peu, mais pas trop. Donc j'ai fait un corail. Et là, il ressort corail, mais en vrai, il est trop rose. Je trouve que sur les. Vous me direz, si vous en faites, ou même du vernis normal, ordinaire, normal, il n'y a pas de normalité. Respire, mamie, respire. Oui, je trouve que sur les. Bon, on ne dit pas les présentoirs, sur les. Les faux ongles qu'on nous montre. Oh, comment ça s'appelle? La roue chromatique. Les vernis, la couleur n'est jamais la même que sur les ongles. Il était beaucoup plus orangé, donc beaucoup plus corail que ce que j'ai, ce avec quoi je suis ressorti. Bien que j'ai réussi à la sortir. J'ai bien ressorti à l'irrigue. Bon, arrête de faire le singe. On fait, enfin, je fais une vidéo produit terminé, vous le savez. Vous êtes là pour ça. Ou pas. Ou peut-être vous êtes passé par là. Et si vous passez par là, sans me connaître, vous qui passez par là, je ne sais plus la chanson, n'hésitez pas à vous abonner au lieu de regarder les vidéos en loose day, hein? Mais c'est bien derrière un musée, mais au bout d'un moment, abonnez-vous quand même. Pensez à la personne qui le fait. Je donne 2 mois, petitement peut-être, mais oh, petitement quand on est vieille, c'est déjà beaucoup. Je me considère pas comme vieille, je me considère comme accomplie. Voilà, ça c'est dit. On commence, parce que sinon on est encore là demain. Alors, j'ai. On reprend. J'ai terminé. D'ailleurs, j'en termine un autre. Peut-être que je trouverai, ben je le trouverai plus tard forcément. J'ai terminé le volume booster Lash Primer de chez Essence. Super volume with super free. Et c'est la base cils qui fait des cils blancs, qui vous permet d'avoir des cils plus épais, éventuellement plus longs. Celui-ci ne les allonge pas. Donc pour ça, je ne l'ai pas aimé, parce que moi je cherche la longueur. D'ailleurs, on va voir ça ensemble. Je vais me rapprocher, sauf que je vois pas où il doit appuyer, ouais. C'est rigolo, hein, c'est rigolo, mais c'est salaud. Une vache qui pisse dans un tonneau, c'est rigolo, mais c'est salaud.
Vous verrez mes cils, vous verrez, si vous voyez, vous allez voir mes cils. Bon, là, il y a tout un trafic. Hein. Moi, j'aime la longueur. J'ai des cils très très courts. Donc, pour y arriver, c'est pas facile. On va rester comme ça pour présenter les produits. Donc, la base essence, elle fait très bien son boulot, mais je trouve qu'elle ne fait qu'épaissir les cils. Et moi, c'est pas ce que je recherche. Moi, je cherche de la longueur parce que j'ai des cils très courts, vraiment très courts. Quand j'ai pas de mascara à rien, on les voit pas. Même moi, je me dis des fois, je les ai toujours, je rigole pas. Je vous jure, des fois, je me demande si je les ai toujours, mes cils. C'est dire, moi, il se remet pas, lui, bon, c'est pas grave. Donc, rachèterait, eh ben non. J'ai racheté, par contre, le primer de chez L'Oréal. Vous l'avez déjà vu en vidéo, hein? Attendez, je vais mettre la corbeille sur les genoux. Tiens d'ailleurs cette corbeille, puisqu'on on est là, on en vient. Je vais demander un truc. Vous voyez ce genre de corbeille qui est censée recueillir les fruits. Elle est très jolie, je me suis faite. Il y a en fait, je ne sais pas vous, mais moi quand je mets les fruits là-dedans, ils touchent les, comment dirais-je, les petits barreaux là. Vous voyez? Et ils se gâtent par là. C'est-à-dire les. Ça les marque et ça les abîme. Donc du coup, je l'utilise plus en corbeille de fruits. Pourtant, c'est son rôle premier. Donc j'utilise en autre chose, en corbeille à tout. Voilà. Vous êtes content de savoir ça? Ben, dites-moi si vous, c'est pareil. Ou alors, il faut mettre un torchon aussi court parce que du coup, ça n'a plus la joliesse. La joliesse, ouais. Attendez, ça me tue les doigts, ce truc. Que ça, voilà, je suis en train de tout sortir. Ouais. Oh, comment je te le dis, là? Eh ben non, j'ai pas. Parce que j'ai aussi terminé la base cils L'Oréal. Je sais pas où il est. Il est tombé derrière le meuble, maintenant que j'ai tout chamboulé. Attendez, il faut qu'on se recule, là, pour arrêter les conneries. Ah, je suis mal assise sur cette chaise, en vrai. Non, j'ai pas choisi la bonne, c'est clair. J'ai pas choisi la bonne chaise. Non, non, non. Il faudrait une chaise qui vivote. Moi, je gigote donc la chaise, au bout d'un moment, il faut se faire ça. C'est quand même pas la grande, grande qualité. Un jour, elle va vriller et je vais me trouver le cul par terre. Comme là, par exemple, j'ai pas de pantalon. Je vous jure, mais bon, vous le direz à personne. Hein. Donc, si jamais je fais un cul par-dessus tête, oh, bah, ça serait joli. Tiens. Bon, effacer l'image, mes pauvres, elle est pleurée. Donc, j'ai terminé. Un truc avec grand regret. J'ai terminé un nettoyant démaquillant sur gras, non moussant, sans sulfate, de chez Yves Rocher, le Riche Crème. J'ai adoré ce baume. Donc c'est un baume que vous massez entre vos mains. Et puis après, bon, vous lavez le visage. Vous avez dû déjà le voir dans une de mes routines du soir. Pas la dernière, puisque j'en avais plus. Et la précédente, je pense, certainement d'ailleurs, c'est sûr. Bon, bref. J'adore. Mais un petit belle noisette, une belle noisette. Tu masses, donc ça devient huileux. Et tu le masses le visage. Tu passes sur les yeux et ça marche super bien. C'est extrêmement doux. En fait, après, ça devient une huile, quoi, finalement. Alors, c'est en baume dans le. Ça me fait mal aux cuisses dans le contenant, mais du coup, à force ça devient huile avec la chaleur. En fait, c'est de l'huile solidifiée. Bref, j'ai adoré. Mais comme effectivement, Yves Rocher s'est fermé, il faut commander, il faut aller en click and collect, c'est la galère. Du coup, et celui-ci, je le rachèterai à l'occasion, bien sûr. Du coup, j'ai pris, et vous le savez tous et toutes, puisque vous suivez assidûment mes vidéos, j'ai pris l'huile démaquillante Nuxe. Oui, je plisse les yeux, je ne vois rien. Et j'ai les yeux qui pleurent, et j'ai du maquillage. Je ne vous explique pas ce que ça va faire. Bon, bref. Oui, ce n'est pas waterproof, non. Non, non. Adoré, rachèterai, oui, à l'occasion, sans problème. J'ai tombé ma chaise. Ensuite, j'ai terminé, pas un, mais deux. Ben, ça, vous le connaissez.
Mais c'est pour vous prouver que quand j'aime quelque chose, je le réutilise. C'est pas juste pour vous montrer un produit. Non, moi je suis fidèle. Oui, je suis fidèle. Jusqu'à l'occasion qui fait la fidélité. C'est vrai en plus. Bref, papa. Donc j'ai terminé deux shampoings secs Chlorane, shampoing sec extra doux au lait d'avoine. Est-ce que l'autre il est au lait d'avoine aussi? Parce qu'il y en a deux sortes. Il est au lait d'avoine aussi. Le lait d'avoine aussi. Donc deux flacons de shampoing sec pour tout type de bouteille. Maintenant, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup parce que grâce à ça, je ne me lave les cheveux que plus qu'une fois par semaine. Et là, ils sont à laver demain. Et moi, je dis, bah, écoute, moi, je dis, c'est bien. Hein? Bon, vous savez que j'adore, de toute façon, et qu'à chaque fois, tiens, il y en a un autre après, ça ne nous fait rien. Non, ça ne va pas nous faire rien. Je suis là. Allez, ça se cache la binette, c'est pas grave. Tiens, d'ailleurs, j'avais entre deux voulu tester, retester pour la. Je sais combien de. Oui, parce que le chlorane est cher, il fait 9 euros et des brouettes, donc presque 10 euros le flacon. Ça fait mal au derrière. Ça fait mal au fondement. En même temps, je me souris parce que je me vois dans la glace là. Ridicule. Ridicule. Mais le ridicule ne tue pas. Là, je me parle à moi-même, donc je suis franchement. Ouais, j'ai donc réessayé un Baptiste. Celui-ci, c'est shampoing express sans eau. Shampoing sec, shampoing sans eau. Bah écoute. Est-il besoin de le préciser encore? Bref, c'était du floral et féminin blush, censé donc sentir bon. Mais je n'ai pas trouvé qu'il sentait meilleur qu'un autre. Et puis je ne demande pas de sentir bon. Je lui demande de ne pas puer surtout. Ça c'est sûr. Sur les cheveux, si ça pue, mais tu retournes te laver la tête, quoi. C'est bête. Donc celui-ci, pas aimé parce que je trouve que ça rend les cheveux poisseux et j'ai horreur de ça. Parce que du coup, ça me donne envie de me laver les cheveux tout de suite. Là, il ne donne pas les cheveux poisseux, le chlorane. Par contre, comme tous les shampoings secs, il fait des cheveux ternes. Il n'y a pas de brillance dedans. Évidemment, c'est une poudre à fou un peu. Hein? Oh. Ensuite, nous avons terminé. J'ai terminé. Un flacon d'eau de bleuet de la marque Leno, visage et yeux apaisante. 98 d'ingrédients d'origine naturelle. Cornflower. What? Cornflower, non, ça doit être bleuet, c'est marrant ça. Vous savez qu'un bleuet, c'est bien ça à placer dans un dîner. C'est là où on ne va plus. On ne se voit plus dans les soirées. Ben non, je peux pas faire autrement. Bref, dans les soirées, donc tu colles un petit. Tiens, j'ai mangé un saumon au. Cornflower. Parce que oui, tu peux faire du saumon au bleuet. Le bleuet, c'est très canadien dans les recettes. Chez nous, le bleuet, c'est le. Je sais plus, on s'en fout. Donc voilà, vous saurez, pour votre éducation personnelle, que le bleuet, c'est le cornflower. Bref, j'adore, j'ai adoré. Alors. Je la préfère en spray, ce que j'ai d'ailleurs en remplacement. Ce n'était pas prévu en remplacement, je l'ai retrouvé dans les mêmes affaires. Donc j'utilise un spray de la même. Pas du tout la même gamme. Non, 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 c'est n'importe quoi. Non, c'est un shit, mais il est bleu aussi. À l'eau de rose de Damas, fabuleux. Relaxant. Hyper doux, hyper apaisant pour la peau. Celui-ci est également très apaisant, sauf que voilà. Je trouve que de le mettre sur un coton, même réutilisable, bien sûr, réutilisable, voilà, et ben, ça rend le produit moins agréable finalement, parce que même si tu as un coton réutilisable plutôt doux, il y a quand même un aspect, je frotte ma peau. Alors qu'avec le pipchi, tu fais rien du tout. Oh, c'est bonheur. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai adoré, parce que. Les yeux, je n'ai pas vu de différence. C'est vrai que je ne prends pas le temps de mettre des compresses. Le mieux, c'est de faire des compresses. J'ai la cuisse collée à la chaise en plastique. Génial. Ouais, ça fait envie.
Le mieux, c'est de mettre donc des compresses d'eau de bleuet sur les yeux le matin pour les faire dégonfler. Ah, moi, j'ai pas les yeux gonflés, mais il y a toujours cette petite poche le matin. Pas toujours d'ailleurs. Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Père Noël est une ordure. Référence au Père Noël est une ordure. D'accord. Bon, excellent. Mais je trouve que c'est un peu cher. Parce que je ne me souviens plus du prix, ne me demandez pas. La fille qui disait que des conneries, hein, qui dit des trucs et qui sait pas. Kiki. Ah, ça y est, une autre référence filmesque. Qui joue en première base? J'ai toujours la même référence quand même. Hein. C'est-à-dire que je dis toujours la même chose. Donc. Nous avons terminé. Enfin, surtout chérie, quoique moi ça m'arrive. Un gel à raser de la marque Cosmia, donc la marque Auchan, pour hommes, mais pour hommes, femmes, franchement, ce genre de truc, c'est pas débile? Les produits hommes ou produits femmes, c'est quoi la différence? L'odeur plus masculine? Moi j'aime bien. Mais j'aime bien sortir l'homme. Non, mais voilà quoi, c'est. Tu payes les trucs femmes plus cher que les trucs hommes. Les rasoirs, non mais attends, oh. Me dites pas que non, ils sont plus doux, machin. Non. Moi, je trouve que c'est la façon dont on s'en sert du rasoir, ainsi ce qu'on met sur la peau. Pour que ça n'arrache pas, c'est pas une question de rasoir. Peut-être les doubles lames, je sais pas quoi, peut-être. Peut-être plus efficace, je ne dis pas. Mais la mousse à raser, non. La mousse à raser, ça reste de la mousse. À la limite, tu veux mettre de la chantilly sur des jambes pour te raser, ben pourquoi pas? Jamais essayé, cela dit. Ben, en général, la chantilly, je la mange. Mais moi, par contre, c'est vrai que j'utilise ça sous la douche. Quand il m'arrive de me raser sous la douche, mais en général, je me rase là, dans la chambre. C'est-à-dire, je viens de prendre ma douche, je regarde mes jambes au moment de mettre de la crème, je me dis, oh là, il y a deux, trois poils. Oui, parce que maintenant, à mon âge, on est beaucoup moins poilu. Il y a deux, trois poils récalcitrants. En plus, sur les jambes, je parle. Hein. Je ne veux pas parler de mon intimité personnelle. Ben, maintenant, je ne veux pas parler de l'intimité de quelqu'un d'autre. Donc, cette phrase ne sert à rien. Bon, bref, quand je suis donc assise là sur mon lit pour mettre de la crème, je me dis, oh, c'est quelques poils, c'est moche. Alors, je mets de la crème et avec un rasoir, là dans la chambre, avec la crème qui est très douce et très hydratante, je rase cette petite partie. Et oui. Et après, je masse avec ma crème. Et ça fonctionne parfaitement. Donc, moi, perso, j'en ai pas besoin. Mais chérie, oui. Bah, quand même. Donc, pour le visage. Donc, pour lui, il dit que ça suffit largement, pas besoin de prendre du Gillette ou je ne sais quelle marque, celle-ci lui convient parfaitement. Rachèterait, je crois qu'on a quelque chose dans le même style. Je ne me souviens plus, je vous dis, ça ne m'intéresse pas. Bah, pourquoi t'en parles? Oh, il est crème, il est plein de poussière. J'ai terminé. Mais j'en ai une autre, mais figurez-vous, depuis que j'ai rangé, les trucs que je ne trouve plus, par contre, je retrouve des choses que je ne savais pas avoir. Je ne pensais pas avoir dans mes tiroirs, enfin avant dans mon bazar. Et par contre, les choses que je sais avoir, que j'ai reçues, que j'ai achetées, je ne les retrouve plus. Par exemple, cette crème, donc, la crème Nuxe, la crème Nunux. Oui, j'ai des idées que j'appellerais Nunux. Donc, la crème Nuxe Merveillance Expert, crème. Merveillance Expert Crème Lift Fermeté. Peau normale. Normale. Voilà. Excellente crème luxe. Vraiment. Et donc, je sais que j'en ai reçu deux. Je ne sais pas où j'ai mis la seconde. Bon, ça, c'était jour, hein, je crois. Je ne sais plus. Et j'ai celle de nuit, donc j'utilise celle de nuit. Je ne sais pas où est passée l'autre. C'est de la folie, ça. Oh, elle finira par repointer son nez. Florence, parle doucement. Tu patouilles. Bon, il en reste un tout petit peu au fond, mais c'est galère pour attraper. Parce qu'il y a un léger bombé au milieu et la crème s'est installée sur le pourtour. Ouais. Ah, tiens, rien donc. Hein? Bon, ça va aller sur ma cuisse, ça tient. Oh, en plus, c'est frais, alors c'est dans la chambre. Mais tu me diras, c'est dans la chambre, mais dans la chambre, il ne fait pas chaud. Bon, je ne vais pas me tartiner de crème devant vous, ce serait idiot. Il y en a quand même pas mal. Là. Hop, un peu sur le mollet. Hein? Voilà. C'est intéressant. Oh, et ça sent bon. En plus, attendez, je reviens.
En plus, ce qui est intéressant, c'est que là, ce qui est un plus pour moi, attention, un plus pour moi, mais en général, un point négatif, négatif pour beaucoup. Elles sont légèrement parfumées, mais tellement délicatement que c'est pas du tout entêtant, pas du tout. Par contre, c'est vrai que les personnes allergiques ou très sensibles au niveau peau peuvent peut-être ne pas aimer. Mais moi, j'aime. Continuez, s'il vous plaît. Faites pas comme. Non, c'est Pierre Hugo pour la crème au cou, là. Il a arrêté, il a enlevé le parfum. Non, non, on n'enlève pas le parfum. OK? Bon, on va parler de Pierrot parce que lui, il m'énerve. Il s'occupe des autres, pas de moi. Oui, je. Ah ben, complètement. Je suis envieuse des gens qui font des partenariats. Les demande-t-il? Là est la question. Donc, excusez-moi, j'ai mis plein de traces dessus puisque j'ai les mains grasses. Donc, je vous le montre quand même. En plus, les peaux sont absolument merveilleuses chez Nuxe. Attendez. Nuxe, là, là. Qu'est-ce que je raconte? Nuxe, Nuxe, Nuxe. Excellente crème. Excellente crème parce que, vous voyez, j'ai mis une demi-seconde pour étaler sur mes jambes, c'est payé frais. On n'a pas besoin de beaucoup, vraiment, pour faire le visage. Et elle est vraiment très bonne. Elle est succulente, tiens, c'est le mot qui me vient. Vous voyez, elle est. Elle a. Oh, c'est sympa. Ce parfum qui te donne envie, à la limite, de t'en mettre partout. Oh, oh. Ensuite, nous avons. Tiens, ne dis pas qu'elle est là. J'y crois pas. Florence Baudron, il faut vous changer les yeux. Ouais, ça c'est sûr. J'ai donc terminé un mascara primer de chez L'Oréal, le Paradise Primer Extatique. Je vous l'ai dit que je l'avais pas, mais si, là. Regardez-le. Regardez-le donc, dis donc, le coquinot. Oh, il est tout crado, il est tout vieux, hein. Attends, je sais pas comment ça marche. J'espère dans le bon sens, non, je vais le mettre dans l'autre sens, peut-être vous verrez comme ça. C'est quand même que je regarde mes vidéos de temps en temps pour voir quel est le meilleur sens. Ouais, celui-là j'aime beaucoup. Ah ouais, lui il donne de la longueur, vraiment. Bon, maintenant je recourbe mes cils quand j'y pense, souvent j'oublie, parce que c'est pas un réflexe moi, je recourbe mes cils, je mets ça. Déjà, rien que là, ça me fait une longueur époustouflante en plus, blanc, c'est surprenant quoi. Et après, tu mets ton vernis, pas enfin, ton vernis, ton mascara. Moi, j'utilise deux mascaras, j'en ai déjà parlé. Je mets un mascara plutôt qui sépare bien les cils, donc j'en ai un tas. Hein. Et par-dessus, une fois que ça c'est fait, dans la foulée, hein, je rajoute un mascara plutôt épaississant, puisque j'ai donc les deux. Mes cils sont déjà allongés, et donc je leur donne un peu de volume. Tu me suis? Tu me suis? Tu ne suis pas? Tu me vois? Tu ne me vois pas? Ouais, j'ai laissé exprès, là vous la voyez pas, la penderie ouverte. Ah si, là. Parce que j'en ai marre dans ces murs blancs derrière moi. Donc j'ai laissé la penderie ouverte. Oui, c'est fait exprès. Ouais, et alors, ça vous plaît pas? Tant pis, non, je suis un essai. Bref, ce sont la personne la plus. La chose ou l'objet le plus intéressant ici étant moi-même. Vous ne regardez que moi, vous ne voyez pas le reste. La fille a les chevilles qui entrent. Tu m'étonnes, je me demande toujours pourquoi j'enfle. C'est ça. Bref, j'ai terminé une crème main et ongles de chez Pharmasoin à l'huile d'argan pour 0% parabène colorant pour les mains desséchées et abîmées. Je crois que c'est Chris qui m'avait donné ça, me semble-t-il, en vacances. Rappelle, Chris, la petite boîte que tu m'avais apportée, je crois bien. Oui, j'ai bien aimé. Bon, une. Crème pour les mains, je veux dire, pour moi, elles se ressemblent toutes. Honnêtement, j'ai jamais trouvé la crème qui me transcende. Oh, je crois que c'est le dernier article. Ça me paraît bizarre. Il y en a qui ont dû passer sous le lit. Ouais, parce que hier, figurez-vous, en rangeant mes affaires, j'ai pété un mug, oui, un mug, qui me servait de récipient pour mettre deux, trois bricoles. Entre autres, le rasoir, donc le fameux rasoir, la paire de ciseaux, est tombé, je l'ai classé par terre. Il y a deux, trois trucs qui ont roulé sous le lit, mais je ne m'en suis pas aperçu. Hier soir, je suis arrivé en te couchant, il me dit, c'est quoi ces merdes de mon côté, là?
Dis, tu crois que c'est une poubelle sous mon lit? Enfin, du côté, donc là-bas. Je dis, pourquoi tu dis ça? N'importe quoi. Il dit, ouais, c'est quoi ça? Ça s'est roulé sous le lit jusqu'à ses pieds. Ouais, super. Ah ouais, super. Bref, j'ai terminé à mon grand regret le parfum Nuxe, donc le soir des possibles. Ah ben, je l'ai usé jusqu'à la dernière goutte. Hein. J'ai galéré. Je trouve qu'à mon avis, on a encore une goutte ou deux. Bon, donc c'est le flacon violet, je vous l'ai dit et répété. Faut que je les retrouve. Mais ils ne les font plus à ma pharmacie. Pourquoi donc? Falloir que j'aille ailleurs. Ah ouais, je ne peux pas m'en passer. L'été, mais je ne peux pas me passer ça. Juste de le sniffer, de sentir, pas exagéré non plus, ça me projette en vacances. Ah, c'est incroyable. Ça, bien mieux que le monorail. Ah oui, parce que je l'ai beaucoup porté en vacances les dernières années, donc ça me replonge dans cette ambiance vacances. Et on en a bien besoin. Vous êtes d'accord? Moi, je sais. Vous êtes toujours d'accord avec moi, de toute façon. Personne n'est jamais contre moi. Non, 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 non. Ne vous acharnez pas sur moi. Je suis une pauvre petite vieille. Toute Décathy. C'est pas vrai. Décathy. Décathy, t'as quitté. Bon, Nux, le soir des possibles. Et rappelez-vous, la base jaune, c'est le matin des possibles. C'est un délice aussi au matin. Tu mets cette petite eau, ce petit parfum. C'est un parfum, une autre parfum. Fraîche, légèrement citronnée ou acidulée. C'est ça, pas acidu, acidulée. Et ça te réveille. Ça te... Wow, tu te dis, ouais, ça va être une bonne journée. Bonne, bonne, bonne journée ce matin. Il y a des matins comme ça. Ouais, je chante. Et alors, même si je n'ai pas envie de chanter, bon, il n'y a rien qui me fait chanter. Enfin, bref. Bah, ça couille. Mais voilà, il faut des copains. Allez, tout est par terre. Les copains, les copines, que j'ai terminé. J'aime pas du tout en fait le trépied. Je suis mal à l'aise. Je suis plus ou moins loin. Je peux pas faire ce que. Attention, la madame, elle se déplace. Oh purée. Vous avez entendu le. De la peau sur le. Oh là, elle a reculé. Bon, je suis pas plus avancée. Alors, on va avancer le trépied et ça va être le drame. Là, Florence, tu ne peux pas plus. Hein. Voilà. On va terminer ici. Ah, je voulais vous montrer donc. Je disais donc, hier, voilà, je l'ai dit au début, je finis à la fin de la vidéo. Waouh, mamie, ça chauffe dedans. Ouais, c'est pas hyper nickel. Je me suis maquillée pour vous. Pour me démaquiller, ce sera. L'entre-peu pour être heureux. L'entre-peu pour être. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu de miel et un peu de miel et de verdure que nous procure la nature. Ouais, j'ai rué avec mes petits-enfants, donc j'ai essayé d'intégrer les paroles, mais j'ai du mal. Bref, donc chez mon esthéticienne qui fait des bijoux merveilleux, j'en ai déjà plein d'elle, je lui avais demandé de me le garder là, au téléphone parce que je l'avais repéré. Oh, super! Oh, allez, mamie s'envole. C'est absolument et terrible, merveilleusement beau. Comment ça s'appelle? Un sautoir bleu, essentiellement dans les tons bleus. Donc, bon, je ne vais pas vous le détailler, hein, je ne sais pas faire. Donc, vous voyez, plein de perles, enfin non, pas de toutes les couleurs, de toutes les nuances de bleu, avec donc des perles rondes, des perles longues et des petits aplats ainsi. Et puis donc ah, il y a même un petit peu des traces là. Ding ding, il y a même des perles carrées. Et nous avons des pompons. Ah, ça c'est le pompon. Donc on en a un de chaque côté. Ah, je peux pas. Attendez, on va faire comme ça. Je vous dis que j'ai plein d'outils pour vous montrer les choses. Les deux pompons, un de chaque côté des pans du collier, pompon bleu, 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 bleu ciel de Provence, blanc, 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 bleu, blanc, bleu. Et tout en bas, donc, à force de le triturer, je vais même péter, tout en bas, nous avons des vampires et une étoile. C'est le seul truc qui ne me plaît pas, j'aime pas les étoiles. Enfin,
Je vous l'ai déjà dit, j'aime les étoiles dans le ciel, mais pas sur les bijoux, pas sur les affaires, pas sur les vêtements, même pas ça. Je sais pas, pardon à ceux qui aiment, à ceux et celles qui aiment, je trouve ça ringard comme truc. Bon, c'est une lubie, sûrement, hein, comme plein de lubies qui j'ai. Donc nous avons l'étoile, en dessous, nous avons une jolie perle, je sais pas comment ça s'appelle, Chris Suzerain, toi, on va dire. Bleu clair, bleu clair, je veux dire. Et puis en dessous, donc, quelques pampilles faites de perles. Et au bout, nous avons donc, attendez, 7. Non, il n'y en a pas 7 comme les 7 jours de la fête, quand même, si, si, attends. Faut que j'y suis allé, ça doit avoir un sens. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette petite pom-pom bleue, des jolies. Hein. Voilà, donc j'ai ce collier, donc j'ai acheté ce collier en solde, 8 euros. Moi je dis, ma fille, ça c'est une affaire. Même chérie m'a dit, c'est tout. Ben, je dis, bah ouais, mais j'ai dit, attends, j'ai pas fini. J'ai trouvé, elle fait beaucoup, elle n'a pas beaucoup de dorés, et ça me contrarie. Mais j'ai quand même réussi à trouver ces petites boucles d'oreilles qui sont de 3, qui ont doit, donc, 3 strass. Blanc, c'est vrai, ça se démange. Enfin, les faux diamants, je sais pas comment ça s'appelle ça. Les pierres, quoi. Avec serti dans des petits ronds, un petit cercle, comme ceci. Bon, assez basique en soi, mais surtout, et ça, c'est pas facile à trouver, croyez-moi, surtout avec une attache ainsi, c'est-à-dire juste un crochet pour les oreilles. Et ça, c'est le bannard. Regardez. Ça fait de l'effet. Ça va bouger, toi, pas trop bouger, plutôt il va partir. Et je risque de le perdre avec les masques. Hein. Ah, je suis pas si trop belle, dit. Et en plus, j'ai abusé du maquillage ce matin. Oui, mais c'est ce que je veux. Je louche. Bon, je vous laisse, je vous adore. Je vous embrasse du fond du cœur. Les amis, oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je vous souhaite une bonne après-midi. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, rien. Je pense que je vais faire une sieste. Ah, s'il faut, je range mes bijoux. J'essaie de vous les montrer comme ça. Approchez-vous, les gars. Je pense que vous voyez rien. Je suis là. Hein. Qu'est-ce que vous voyez là? Là où il y a la lumière, vous voyez? À 3 étages, j'ai les bijoux et c'est le bordel. Il y en a là-bas aussi. Vous voyez là-bas? Voilà. Là aussi, ah ben oui, il y en a plus. Oh, il y en a encore. Voilà. Et Jean-Di, lui, oui, ah, j'ai fait tomber tout ça là-haut. Hein. Voilà. Ici, oh, ici aussi. Et Félicie. Oh, si, je sais pas ce que ça aura donné. Je suis. Et oh, Jean-Di, voilà. La vidéo est plus merdique que la planète.